aujourd'hui un exercice de préparation à un interrogé général de thermo. Donc elle est un peu complexe, mais il y a moyen. Alors, dans un gobelet de frigolite, on ajoute 11 g d'hydroxyde d'aluminium à 150 ml d'une solution 1,8 molaire en carbonate d'hydrogène. Donc la réaction est entre l'hydroxyde d'aluminium, donc aluminium et hydroxyde. L'aluminium a une valence 3, parce qu'il y a 3 points au-dessus de sa colonne. L'hydroxyde a une valence 1. Vous pouvez rechercher ça en vous disant que l'oxygène, il y a 2 points de barre, et que l'hydrogène prend un des bras de liaison de l'oxygène, il ne reste plus qu'une valence 1. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces deux valences? On les croise, et ça devient des indices. Donc la valence de l'aluminium devient un indice pour tout le OH. Donc on met bien les parenthèses. Après, ça réagit avec du carbonate d'hydrogène. Alors l'hydrogène c'est H, carbonate c'est CO3, les patates se mangent à 3, pas comme les frites qui se mangent à 2, donc 3 oxygènes dans le carbonate. La valence du carbonate c'est 2, il faut la connaître par cœur, et les différences de celle du carbone. L'hydrogène est une valence 1, un seul point au sommet de sa colonne. Je croise les valences pour obtenir les indices, donc la valence du carbonate devient le 2 comme indice de l'hydrogène. Alors qu'est-ce que ça donne? Une réaction entre une base hydroxylée et un acide, c'est une neutralisation, ça donne un sel et de l'eau. Comment est-ce qu'on écrit la formule du sel? On reprend le métal dans la base et on reprend le non-métal dans l'acide. Donc le métal, c'est Al, et le reste, X ou XO, ça dépend si c'est des binaires ou des ternaires, ici c'est CO3. Les valences de l'aluminium et du CO3 n'ont pas changé. On les croise, la valence 2 du carbonate devient l'indice de l'aluminium, et la valence 3 de l'aluminium devient l'indice du carbonate. Et puis on a l'eau, H2O. Alors pour pondérer cette équation, toujours commencer par le métal. Donc on voit qu'il y a 2 aluminiums dans le sel, je vais donc prendre 2 hydroxyde d'aluminium pour avoir 2 aluminiums à gauche. Ensuite, on continue avec le non-métal qui est dans le sel, qui peut être sous forme de groupement, et on le prend en bloc. Alors si je prends les CO3 en bloc, je vois que j'ai 3 CO3, et donc je prends 3 acides, puisque le CO3 est en bloc dans mon acide. Après, je termine avec l'eau. Comment est-ce qu'on termine avec l'eau? Mais l'eau, c'est H et OH. Les H viennent de l'acide, et je vois qu'il y a 3 fois 2. 3 fois 2. Il y a 6 acides H qui me viennent de l'acide. Ensuite, il y a 2 fois 3 OH. Donc j'ai 6 OH aussi. Et donc j'ai bien 6 molécules d'eau, parce que j'ai 6 H et 6 OH. Ça doit tomber juste, si vous avez respecté les mêmes valences à gauche et à droite. Donc même si vous ne connaissez pas les valences, vous devez quand même prendre les mêmes tout au long de l'exercice. Vous pouvez inventer parfois pour pouvoir avancer. Il vaut mieux plutôt que de ne rien écrire et ne pas avancer dans l'exercice. Voici l'équation pondérée. Donc en chimie, toujours écrire en premier l'équation. Il y a différents types, ici c'est une neutralisation. Ensuite j'écris les données et je vais jusqu'au nombre de moles. Donc mes données, c'est 11 g d'hydroxyde d'aluminium. Ça c'est une masse. Et je peux transformer ça en nombre de moles en utilisant la masse molaire. Alors la masse molaire, c'est celle de l'hydroxyde d'aluminium. Je prends avec ses indices, mais je ne prends surtout pas le coefficient. Les indices, oui, mais pas les coefficients. Et donc je fais 27 pour l'aluminium, plus 3 fois 16 pour les oxygènes, plus 3 fois 1 pour les hydrogènes. Ça me fait une masse molaire de 78. Ce sont des grammes par mole, les masses molaires. Ok, alors la masse et la masse molaire, je dois les diviser, ne jamais multiplier des masses, sinon vous avez des grammes au carré. Donc 11 divisé par 78, j'ai un nombre de moles de 0,14 moles. Ensuite, j'ai encore des données numériques, j'ai 150 ml et j'ai 1,8 molaire. Donc 150 ml, 1,8 molaire, ça concerne le carbonate d'hydrogène. Alors, si j'ai quelque chose qui est molaire, donc le 1,8 molaire, donc ça se lit molaire, on peut dessiner une dent, hein, c'est en fait des moles par litre. C'est une concentration molaire, un grand C. Pas confondre avec le petit c de la calorimétrie qui est la chaleur massique. Donc 1,8 molaire, c'est une concentration molaire. Si je veux, je peux écrire 1,8 mol par litre, mais c'est moins utilisé. Alors du coup, c'est une solution. S'il y a une concentration molaire, c'est une solution. Et donc les 150 ml, c'est un volume
de solution. Ce n'est pas un corps pur. Et on lui dit d'ailleurs 150 ml d'une solution. Et donc, pour pouvoir trouver mon nombre de moles, je vais donc utiliser le chemin qui me sort des solutions vers les corps purs, vers le soluté. Donc, le nombre de moles d'H2SO3, je vais faire la formule C fois VS. Donc, le volume de solution, c'est toujours un grand volume, c'est toujours en litres. Et donc, je vais utiliser 0,15 litres. Ceux qui ont du mal pour convertir les millilitres en litres, toujours écrire le chiffre 1000. Il y a 1000 millilitres dans un litre. Et donc, comme ça, vous voyez s'il faut des zéros ou pas. Et donc, je fais 1,8 fois 0,15 et j'obtiens 0,27. Et ce sont aussi des moles. Donc, j'ai des quantités pour mes deux réactifs. Alors, quand on a des quantités sur deux réactifs, c'est assez rare que ça tombe juste et on a, je crois, un problème avec Excel. Et donc là, troisième chose à faire, c'est d'écrire le tableau d'avancement. Donc je vais écrire une ligne pour ce que j'ai au départ, une ligne pour ce qui va changer au cours de ma réaction, et une ligne pour ce que j'ai à la fin. Et donc si j'ai des informations sur mes réactifs, je le mets au départ. Réactif, au départ. Donc je mets 0,14, ma quantité d'ALOH 3 fois, et 0,27, ma quantité d'H2CO3. Tant que j'y suis, je continue à remplir ma colonne. Ma ligne, pardon, et je n'ai pas de produit au départ. Pas de produit au départ. Alors, comme on est en thermo, je rajoute un certain nombre de kilojoules par mole, qui est en fait l'énergie que j'ai au départ, qui va aussi changer et que je vais avoir à la fin. Et je n'ai pas d'énergie au départ. Je vais mettre un 0 pour la quantité d'énergie au départ. Voilà. Alors, comment est-ce que ces quantités de matière et d'énergie vont varier au cours de ma réaction? Les réactifs disparaissent au cours de la réaction, mes produits apparaissent au cours de la réaction. Et ici, on a de l'énergie qui apparaît au cours de la réaction parce qu'on a une réaction exothermique, on a quelque chose qui chauffe et donc de l'énergie qui apparaît, donc avec un plus. On y va pour écrire cette deuxième ligne. On doit chaque fois utiliser le coefficient de l'équation. Donc, le coefficient, c'est le chiffre en vert. Et on voit que certains ont un coefficient de 1. Et ici, pour les kilojoules par mole, je ne connais pas encore le coefficient. Mais je vais le retrouver par un moyen ou un autre. Alors, quand on a des infos sur deux réactifs, on ne sait pas lequel va arriver à zéro. Lequel est le réactif limitant. Lequel va être consommé complètement. Et donc, on calcule le degré d'avancement, donc ce que j'appelle le petit bateau, jusqu'où veut aller chacun des réactifs. Et donc je fais nf-n0 ou n0-nf, la différence, le delta n, divisé par le coefficient. Et donc si je veux aller à 0, ce sera 0,14-0, divisé par le coefficient 2, lui voudrait bien avancer, faire avancer toute l'équation de 0,07. Celui d'à côté, je fais aussi nf ou n0, moins, enfin, la différence entre les deux, donc 0,27-0, parce que celui-ci voudrait aussi aller jusqu'au bout de son histoire. Et je divise cette fois-ci par un coefficient de 3. Et j'obtiens 0,09. Et donc, un des réactifs voudrait bien faire avancer toute l'équation de 0,09 et l'autre de 0,07. C'est toujours le plus petit qu'on sélectionne. Le plus grand, on le supprime. Donc, le plus petit, c'est le réactif limitant. Et c'est lui qui décide quand est-ce que tout s'arrête, en fait. Quand on a consommé 0,07 fois 2, puisque c'est le coefficient de cette matière-ci, il n'y en a plus. 14 moins 2 fois 0,07, ça fait plus du tout. Et donc, c'est celui qui est en défaut, celui qui va manquer. Donc, le plus grand, il veut aller trop loin. Il ne pourra pas aller plus loin que tout le chemin que va pouvoir faire avec lui la LOH 3 fois. Et donc, lui, il va être en excès. Il va en rester. Quand la LOH 3 fois l'aura emmené sur le bout de chemin qu'il arrive à faire, ça fait 0,27 moins 3 fois 0,07, ça fait 0,27 moins 0,21, il vous reste 0,006. Et donc, il y a bien un excès. Et donc, celui-ci n'est pas égal à 0, il y a un excès. Ok, après, ce 0,07 a été décidé par le réactif limitant et toute la réaction va avancer ensemble avec leur coefficient dans ce sens-là. Donc, on va former 0,07 de sel et on va faire 0,42 d'eau et on va faire une certaine quantité d'énergie qui va dépendre de l'énergie que chaque mole peut me donner, donc du delta H molaire qui n'est pas encore dans l'équation.
On peut commencer à répondre aux questions de matière, on fera l'énergie après. Si on veut calculer la quantité de sel obtenu dans la solution finale, donc le sel, il est ici. Le sel, il est ici depuis le début. Donc le sel, c'est le MXO. Alors, je vais prendre la quantité que j'ai à la fin, le 0,07 mol, et on me demande de me dire quelle est sa concentration massique. Alors, pour obtenir la concentration massique, je peux revenir ici. La concentration massique, c'est la deuxième sorte, la deuxième écriture de concentration. Donc, les concentrations peuvent être en moles par litre, ça c'est le molaire, ou elles peuvent être en grammes par litre. Alors, quand j'ai un nombre de moles et que je cherche à calculer la concentration massique, j'ai deux chemins à faire. Je vais avoir besoin de la masse molaire pour obtenir la masse, et puis je vais utiliser le volume de solution dans lequel cette masse se trouve pour avoir cette fameuse concentration massique. Alors, la masse molaire du sel qui vaut Al2CO3, c'est 234. Donc je fais 2 fois 27 plus 3 fois 12 de carbone et 9 fois 16, ça fait 234. On n'oublie pas les unités, ce sont des grammes par mole. Pour obtenir la masse, je prends le nombre de moles et je le multiplie par la masse molaire, contrairement à ce qu'on a fait dans la première colonne. Ici, on est dans l'autre sens. Et donc quand je fais 0,07 fois 234, j'obtiens 16,38 grammes. Alors ces grammes-là, ce n'est pas de la matière en plus, hein, c'est la matière qui était dans la solution dissoute. Alors le volume de la solution, on ne me donne pas de volume pour le sel, mais en fait c'est dans un gobelet où, dans lequel on avait 150 ml de solution, on a rajouté 11 grammes dedans, et on considère que le volume de la solution varie peu. Donc c'est écrit dans l'énoncé. On considère que le volume de la solution varie peu, reste le même, malgré qu'on a ajouté 11 grammes dedans et qu'on a créé un petit peu d'eau par la réaction de neutralisation, on considère que le volume ne change pas. Donc le volume de solution, c'est toujours nos 150 ml qu'il y avait avant de mettre les 11 grammes et tout ça. Donc 0,15 litres. Le gamma, c'est M divisé par VS, 16,38. Divisé par 0,15, et ça nous fait une concentration de 110 grammes par litre. Voilà, donc pour avoir des gammas, on prend les grammes, on les divise par des litres. Alors la deuxième information de matière qu'on nous demande, quelle est la masse de réactifs encore présente à la fin de la réaction? Donc ici, je vais dans mes réactifs encore présents à la fin de la réaction, c'est celui-ci, le réactif encore présent. À la fin, c'est l'excès. Alors, à la fin, c'est ma quantité NF égale 0,06. Si on me demande une masse, j'ai besoin de la masse molaire. La masse molaire de H2CO3. Toujours ne pas prendre le coefficient, hein. Même s'il apparaît par 3. La matière, c'est H2CO3. Et donc, je fais 2 fois 1 plus 12 plus 3 fois 16. Ça me fait une masse molaire de 62 grammes par mole. Pour avoir la masse, c'est le nombre de moles fois la masse. Le nombre de moles fois le nombre de grammes que pèse chaque mole, 0,06 fois 62, 3,72 grammes. Donc ça, c'est les problèmes stoichiométriques qu'on pourrait déjà faire en quatrième sur la matière. Alors maintenant, on va ajouter toute la dimension énergie, toute la dimension thermo. Et donc, on va utiliser le fameux 11 degrés et on va l'introduire dans les infos, dans la dernière colonne qui concerne l'énergie. Donc la partie calorimétrie commence seulement ici. Le reste, c'était des problèmes stoichiométriques standards, on va dire. Alors, la variation de température. Attention que parfois, il ne faut pas confondre entre la température initiale et finale. Ici, on donne vraiment directement la variation. On ne sait pas si ça est passé de 22 à 33, on ne sait pas. On est parti pour rechercher ce qu'on nous demande. Donc, on nous demande la chaleur libérée. Pour pouvoir calculer la chaleur, on va avoir besoin de la chaleur massique, de la masse qui chauffe et de la variation de température. Pour l'instant, on a la variation de température. Alors, la fameuse chaleur massique, qu'il ne faut pas confondre avec la concentration molaire, c'est la façon dont chauffe la matière. Donc, pour l'eau,
qui est égal à... Les solutions, on considère que c'est à peu près comme de l'eau, ça chauffe à peu près comme de l'eau. C'est assez élevé, en fait. Il faut beaucoup d'énergie pour élever de 1 degré 1 kg d'eau. Donc, la kilocalorie, 4,18 kilojoules par degré et par kilo. Donc, le nombre de kilojoules qu'il faut pour élever de 1 degré 1 kg d'eau. Ok, alors ce qui nous manque encore, c'est la masse qui chauffe. Parce que c'est bien beau de monter de 11 degrés, mais qu'est-ce qui a monté de 11 degrés? Quelle quantité de matière a reçu suffisamment d'énergie pour monter de 11 degrés? Alors là, il faut regarder l'histoire. C'est tous les ingrédients placés dans le pot. Alors, quels sont les ingrédients placés dans le gobelet? On va relire l'énoncé. Dans le gobelet, on dit qu'on a mis 11 grammes par-dessus 150 ml d'une solution. Voilà, donc dans le gobelet, il y avait une solution. Donc une solution, il y avait 150 ml d'une solution 1,8 molaire de H2CO3. Et par-dessus, on a encore mis 11 grammes de AlOH 3 fois. Ok, et donc on a une solution plus un soluté supplémentaire. Ok, alors le soluté, on connaît déjà, c'est 11 grammes. La solution, on sait qu'elle est de 150 ml. Alors, une solution, c'est un volume de solution pour le transformer en masse. Parfois, on considère que c'est de l'eau. Mais ici, dans l'énoncé, on nous a donné la densité de cette solution. On a dit que la solution avait une densité de 1,08. Donc, elle est un petit peu plus dense, un petit peu plus lourde que l'eau. Alors, on y va pour utiliser une densité. C'est quoi une densité de 1,08? Une densité, c'est comme la masse volumique. C'est le nombre de grammes que pèse chaque millilitre de la solution. Donc c'est un rho, 1,08, et c'est le nombre de grammes que pèse chaque millilitre. Et donc pour avoir la masse, je vais prendre le volume et je vais le multiplier par le rho. Donc mes 150 millilitres qui pèsent tous 1,08, ça me fait 162 grammes. Ok. Plus les 11 grammes, donc 162 grammes plus 11 grammes, je vais peut-être l'écrire ici. Donc, ops, 162 plus 11, ça me fait 173 grammes. Donc ça, c'est ma quantité de matière qui est en train de chauffer. Et donc, en kilos, parce qu'on est en physique, il faut transformer ces grammes en kilos, ça fait 0,173 kilos. Donc les formules d'énergie, ce n'est pas de la chimie. On repasse aux unités internationales. Et donc, pour calculer ma chaleur produite, je vais faire 4,18, mon petit c, ma façon de chauffer de la matière, fois 0,173, la masse de matière en solution qu'il y a dans mon pot, fois les 11 degrés, les degrés que j'ai pu mesurer comme variation avec mon thermomètre. Ça me fait 7,95. Et ce sont des kilojoules, parce que j'avais des kilojoules, des degrés et des kilos, et j'ai multiplié... simplifier les degrés et les kilos, il ne me reste que les kilojoules. Alors ça, c'est la chaleur qui a été produite par ma réaction. Et donc, je peux la mettre ici, 7,95 kilojoules. Ça vient de la calorimétrie des degrés. Donc, j'avais ma variation de température, j'ai calculé mon Q. Voilà, alors une fois que j'ai cette énergie-là et que je sais combien a réagi, je vais enfin pouvoir trouver mon multiplicateur, mon delta H molaire. Alors, pour avoir le delta H molaire, que je vais écrire dans mon équation ici, le nombre de kilojoules par mole qui est libéré dans l'équation, pour la lecture molaire de l'équation, que j'utilise ici comme coefficient. Alors, comment est-ce qu'elle calcule le delta H molaire? On prend la chaleur libérée, on inverse son signe, puisque tout ce qui est libéré comme chaleur pour le milieu est perdu par les réactifs, donc l'énergie chimique diminue, l'énergie thermique, elle augmente, et donc on a un signe moins qui inverse ça, et je divise par le nombre de moles qui réagit. Et donc, mes 7,95 kJ, c'est pas pour une mole, c'était pour 0,07 moles. Et donc, mes kilojoules divisés par mes moles, j'aurai des kilojoules par mole. Et donc, ça me fait moins 113,6. Et ce sont, cette fois-ci, des kilojoules par mole. Et donc, c'est ça que j'écris ici, 113,6. Et c'est là aussi que j'écris ici, 113,6. Donc, ça, c'est mon delta H molaire. Voilà. Ok, alors,
il y a aussi moyen de s'en sortir avec les calculs de petits bateaux. Donc comme le petit bateau, c'est le delta n, enfin, la variation, le qf moins le q0, divisé par le coefficient. Si on cherche le coefficient, on doit faire la variation d'énergie divisée par ce qui a réagi le petit bateau. Et donc, le delta H molaire est notre coefficient. C'est pas une formule différente des petits bateaux. Elle est juste transformée dans l'autre sens. Voilà. Et donc, avec tout ça, on a répondu à tout. Il faut bien indiquer que la réaction, quand on a un delta H molaire négatif, elle est exothermique. Il y a une perte d'énergie chimique. On est en train de descendre en énergie. Donc si on commençait à placer les réactifs et les produits, on est bien avec une perte d'enthalpie. Et donc l'énergie thermique, elle augmente, donc ça chauffe. Donc tout ce qui est perdu par les molécules est gagné par le milieu. Voilà. L'exercice est terminé. On a répondu à écrire l'équation, pondérer, placer l'énergie, calculer la concentration massique du sel, calculer le delta H molaire et quelle est la masse présente.